Dans le Neo Camp 6 Garage. Donc ici, on va faire la rénovation du GMC et de la 4L de Flory. Ce garage-là, qui était occupé jusque-là par un professionnel, je vais simplement le rénover. Changer, refaire l'électricité, refaire les peintures. Et en parlant des peintures, sur le choix des couleurs, bien vous l'aurez compris, hein, avec un véhicule Coca-Cola, on va avoir les poutres en rouge, les murs en blanc et un soubassement en gris. Le concept de ce garage, faire de la rénovation, mais pas que. Toi, voyageur, qui a besoin d'un pied-à-terre pour pouvoir faire de la réparation, de l'entretien, de la rénovation court terme, un jour, une semaine, ici, l'idée est de faire un petit Airbnb pour voyageurs. Je m'explique. Tu viens avec ton véhicule qui ne dépasse pas les 3,50 m de haut ni les 10 m de long, sinon il ne peut pas rentrer, et tu peux venir ici pour faire ton entretien de véhicule, faire tes réparations. Et si auquel cas tu ne peux pas rester dans ton véhicule pour dormir, pour une raison que tu, à l'intérieur, tu es en train de t'es obligé de démonter une partie de ton véhicule pour pouvoir y travailler dessus, pour y dormir, c'est compliqué. Donc ici, on a une base vie, on aura une base vie avec une cuisine, une salle à manger, enfin un salon, et une chambre. Voilà, c'est le concept, le Airbnb du voyageur. Je vais vous montrer un peu la cave. Bon, faut pas regarder le bordel là, hein, parce que vraiment, on n'a pas pu s'occuper de ranger tout ça, puisque l'objectif, c'est que tout puisse être stocké ici. Vous voyez ? Là, on a quand même un peu de volume, mais néanmoins, c'est quand même dans son jus de 1957. Allez, il n'y a plus qu'à.
notre atelier commence à être opérationnel tout doucement, mais avec encore des travaux principalement liés à la zone habitable qui permettra, je vous le garantis, de pouvoir se poser tranquillou. Là, ici, on a le magasin. Pouvoir se poser tranquillou, pas simplement dans les toilettes, mais également ici. Voilà, juste derrière moi. Vous voyez, on va avoir une petite zone sympathique. Et en plus de ça, on aura ici une chambre. Voilà, où on va pouvoir se poser. Donc, quoi de mieux que de pouvoir regarder son travail en bas alors qu'on se trouve en haut. Voilà. Alors aujourd'hui, notre petit Thibaut est venu en visite. On va aller voir un petit peu. Il est venu prêter main forte, mais bon. On va voir comment il bosse. Thibaut est un grand travailleur. Ça sert à ça aussi les copains, pour vous aider parfois. Mais qui est-ce qui fabrique? Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Thibaut? Je m'amuse. Je me régale. Alors là, il est en train de monter, enfin de tenter de monter. Essayez de monter. Une. Cabine de douche. Waouh, impressionnant. Le mot. C'est le mot. T'es content? Ouais, je suis content, je me régale. Je me régale. Ça me change de marche. Moi, ce que j'aime bien dans ce moment-là, c'est que tu vois. Pas trop contraignant pour toi en plus. Voilà, c'est pas trop contraignant pour moi. Au moins, s'il y a une paroi qui pète. Ce sera pas de ta faute. Exactement. Eh oui. Bah, écoute, on va essayer comment. Donc là, on a fait un peu les peintures. Enfin, il a fait un peu toutes les peintures là. Hein. Bon, j'ai regardé un petit peu. Et puis de ce côté-ci aussi là. On a fait le mur là. Et le mur derrière moi. Bon Thibaut, c'est pas tout ça, mais moi j'aimerais que pouvoir passer à l'apéro. Ah. C'est pas. Je devrais pouvoir m'arrêter, c'est vrai.